Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est toujours au lac d'Eida. Et là, on s'en va, et on va où ? Vers le Mont d'Or. Vers le Mont d'Or. Enfin, on sait pas vraiment où on va, on est à l'aventure, toujours. Allez, générique, c'est parti, pas ! Ça sent la marmotte quoi, ça me donne, je disais à Charles, pas assez de rando. Alors j'espère qu'on va faire au moins une dernière rando et qu'on va voir des marmottes. Voilà. Ah, c'est le col de la Croix-Mauran. C'est beau. Papilo est pas passé maintenant. Et on vient de passer. Oh, on est passé au millimètre entre un camion et une voiture rouge quoi. C'est... Oh, 40 tonnes quoi. C'est l'horreur. Et alors attends, parce que c'est pas drôle parce que Papilo. Alors regarde Papilo dans le rétro là. Papilo il est pas passé lui. Hein. Ah si nous on est passé, on est plus gros normalement, il va passer aussi. Ouais. Il va se mettre dans le trou. Oh le chat. Oh là là, j'en tremble tellement, c'était au millimètre. Je sais même pas comment la lampe... J'ai failli exploser une voiture. Ça y est, Papilo, il passe. À 40 tonnes dans une... Ouais, Papilo est passé. Ah oui, mais en fait, du coup, je filme pas. Attends, si. Je vais le remettre bien. Tiens, si tu peux serrer un peu, toi. Merci. Je suis en train de monter, puis avec les voitures qui sont garées, les camping-cars, les... Putain, on est passé, mais au millimètre. Oh, il y a un char de poule. Ah c'est bon, il arrive. Allez go. Nous sommes pas au Mont d'Or comme il était prévu parce qu'en fait au Mont d'Or il y a une course de côte. Alors du coup on a été juste à côté à l'aire de camping-car de Mura-le-Caire qui est super sympa, on va vous le faire visiter après mais pour le moment on est descendu au village. Allez on va voir tout ça tout de suite. Ah bah j'ai l'impression qu'il y a un problème. La roue elle manque de graisse ou il y a un truc qui va pas quoi. Par contre le toit de chaume il est superbe. Allez on continue, c'est par là que ça se passe. Alors qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? On a sauvé Michel. Oh la vache. Quel périple. On est descendu à Mura-le-Caire pour essayer de pour voir le village quoi. Il n'y a rien à voir. Essayer de trouver du pain, du tabac. Donc en fait, Mura-le-Caire, il n'y a rien. Donc là, j'ai mis le vélo sur le dos. Et hop, bébé et, Michel a fait toboggan. Entre temps, on a tendu le pouce et puis il y a des gens hyper sympas qui nous ont pris. Et là, on arrive, ils nous déposent. Oh, plus de Michel, le drame. Alors qu'est-ce qu'on a? Les gens, ils ont été super sympas. En fait, ils m'ont redescendu dans le village de Mura-le-Caire et Michel était posé sur... sur un bout de muret, elle était là, elle attendait Michel abandonné. Ils vont bien se rendre compte que je suis pas là. Alors Pauline, la dame... elle a compris, elle a des enfants. Elle est descendue de la voiture, elle a récupéré Michel pour le donner à son grand-père, c'est-à-dire moi. Ouf. Ouf. Allez, on va voir le lac. Alors il est bien là. C'est bon. Ouais. On a retrouvé Michel. Voilà le lac. Alors les gens se baignent, mais en face là-bas. Ah, ici aussi, remarque. Et normalement, c'est un lac de pêche.
J'ai vu sur internet qu'il y avait de la truite. Bah, Murat-le-Caire, finalement, il n'y a absolument rien, à part une église et un resto. Donc on a décidé de descendre à la Bourboule, histoire d'être plongé au début du XXe siècle. Ça commence avec cet immeuble, le petit torrent qui coule ici. Allez, on continue. Bourboule, ça c'est typique. Alors aujourd'hui c'est jour de marché, donc il y a vraiment beaucoup de monde. On entend parler à peu près toutes les langues, enfin surtout anglais à vrai dire. Puis bah la Bourboule quoi, c'est typique. Bienvenue à la Bourboule, le paradis du jeu pour enfants. Il y en a partout, derrière là-bas. Là il y en a encore d'autres, hallucinant. Oh! Saute! Ouais! Le paradis des enfants. Superbe. Puis en plus, c'est beau. On est encore à la Bourboule et on s'en va parce que vous avez vu. C'est des trompes d'eau. C'est des trompes d'eau. Je sais pas combien de mètres cubes tombent à la seconde. C'est un truc de fou quoi. Donc c'était super la Bourboule, hein, mais vu la situation, ciao. On est dans la Creuse. On vient juste de passer devant la source de la Creuse. Mais on s'est pas arrêté parce qu'on passe. Voilà. Depuis ce matin, c'est temps pourri. On peut pas avoir que du soleil tout le temps. Hein. Alors voilà, on arrive au lac de Vassivière. On s'est arrêté tout à l'heure pour déjeuner à Courtine, en pleine Creuse, sur le plateau des Mille Vaches. Voilà, donc on a atteint notre but et là on est au barrage du lac de Vassivière. Alors le lac de Vassivière, on nous l'a conseillé parce que il est superbe, il y a une île, et puis il y a des jeux, il y a une plage, le lac est magnifique. Donc on va essayer de vous montrer tout ça dès maintenant.